Voilà, pour ma génoise au chocolat, j'ai besoin de cacao, de fécule de maïs et de farine que j'ai mis ensemble et j'ai tamisé. À côté, j'ai préparé les œufs avec le sucre. Et ici, j'ai mon bain-marie. Donc, je fais chauffer au bain-marie mes œufs et le sucre. Donc là, on a à peu près 10 œufs, hein, parce que c'est un grand plat. Vous voyez, c'est pour un anniversaire. Donc là, on fait à peu près bien 25 personnes, même 30, ça dépend les parts que vous faites. Là, je fais chauffer mes œufs et mon sucre, bien mêlé. Ah, il ne faut pas que l'eau touche votre bol, hein. Faut juste que ça chauffe. Arrive à 40 degrés, vous arrêtez. Alors, on voit que ça commence à chauffer avec la mousse qui apparaît. Alors, on regarde. On est à 24. Alors là, j'ai mon plat pour aller au four, mon moule. Donc, je l'ai beurré et légèrement fariné, vous pouvez voir. Donc ça, c'est facultatif, vous faites tout le temps. Préparez votre garniture déjà, tamisez, tout est prêt. Là, on est à 34. On va monter jusqu'à 38, hein. Baisse un peu le feu. Donc j'arrête. Je vais transvaser dans ma cuve. Donc j'ai mis dans le mélangeur. Et maintenant je vais faire tourner à grande vitesse jusqu'à temps que ça se refroidit, que ça mousse, ça forme un ruban. À côté, j'ai préparé un grand bol pour mettre ma génoise dedans avec une marise. Voilà, ça commence à monter. Voilà, ça commence bien à monter, hein. On va arrêter pour voir. Là, c'est pas assez, ça ne fond pas le ruban. On continue. Ça va carrément tout être volume. Regardez. Là, pour moi, la génoise est prête. Vous voyez, elle forme bien un ruban. Donc là, on va l'arrêter. Voilà. Vous avez une belle génoise. On va maintenant mettre la farine. On n'a pas tout mis, hein. Qu'en mettre. Et puis on peut prendre une corne pour finir. Alors maintenant, on va incorporer le cacao, la farine et la maïzena ensemble. Je vous rappelle que c'était tamisé, les trois ensemble. Donc, je mets un peu de sucre, un peu de préparation. Et je viens maintenant, regardez bien, je viens tourner mon plat, mon bol, et je vais incorporer tout en tournant avec la marise. Allez chercher bien au fond. Voilà.
Donc, la préparation, la génoise, elle va diminuer, c'est normal, hein. Au fur et à mesure qu'on va mettre du chocolat, mais vous verrez, ce sera vraiment parfait. Et dans ma recette, j'ai mis de la maïzena, pas tout. Faut pas trop mettre de farine, donc j'ai mis de la maïzena et de la farine mélangée. Voilà. Vous tournez votre bol et vous tournez avec la maryse. Vous allez bien au fond. Parce que souvent, il y a la farine qui est au fond. Vous voyez, ça revient. Vous tournez bien au fond. Voilà. Voilà, là on arrive à la fin. Vous voyez, votre génoise, elle est restée onctueuse, légère. Et ça va être une très très belle génoise au chocolat que vous pouvez faire pour les forêts noires et d'autres entremets. Donc mon moule, j'ai coincé, vous voyez, j'ai coincé le papier dessous. Voilà. Et maintenant, je vais verser ma génoise dessus. Un peu de farine, c'est pas grave, ça va se mélanger. Voilà. Pour cuire ma génoise, 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà, là j'ai mes framboises, j'ai mis mon sucre dedans et je rajoute mon jus de citron. Un bon jus de citron. Attention, pas avec les pépins. Bah, je vais laisser fondre tout doucement pour avoir un coulis. Voilà, mon coulis est prêt. Je vais le mixer avant de le passer au chinois. Je regarde si elle est cuite. Alors, je prends un couteau. Je le trempe. Donc, la lame est chaude. Et le couteau est propre. Voilà. Et là, c'est parfait. Je vais mettre sur le balcon pour refroidir. Maintenant, je vais passer mon coulis à la passoire pour enlever tous les grains. Et ces grains, je vais les réutiliser pour faire une confiture. Vous verrez. Voilà, je passe tranquillement au chinois. Voilà, le reste avec les grains, donc vous voyez, je vais mettre dans une casserole à côté pour faire ma confiture. Et vous verrez, c'est très très bon. Là, je vais faire un petit sirop pour l'imbibage. Donc, je vais mettre 50 grammes de sucre. Cinquante grammes d'eau. Voilà. Et je vais rajouter cinquante grammes de coulis. Je prends dans mon coulis. Et je fais 150. J'ajouterai dans mon sirop un peu de kirsch. C'est bon. Là à côté, j'ai ma confiture. Alors je vais faire chauffer. Rajouter 100 g de sucre. Voilà. Je vais faire cuire tranquillement ma confiture. Vous voyez, rien ne se perd, j'ai tout utilisé.
mon sirop a bouillu. Alors, mon sirop est prêt. Il est bon. Je vais mettre à côté pour qu'il refroidisse. Pendant ce temps, mon coulis, je vais le mettre au frigo. Voilà. Quand votre confiture a assez épaissi, vous voyez là, avec la spatule, ben vous arrêtez. Et puis vous la passez au chinois. Voilà, passez votre confiture. Alors là, j'ai mis à fondre la gélatine dans l'eau froide. Et après, je l'ai bien essoré dans mes doigts, comme ça, pour enlever toute l'eau. Donc voilà, la gélatine est prête. Ici, je monte la crème pour le coulis. La crème est assez bonne. Voilà. Comme ça à peu près. Vous voyez bien? Donc j'ai pris ça à peu près de coulis. Je mets à peu près 30 secondes au micro-ondes. Dès que mon coulis est chaud, j'incorpore tout de suite ma gélatine dedans pour la faire fondre. Voilà, ma gélatine est dedans, elle est fondue. Mon coulis, dans mon grand saladier. Mon coulis avec la gélatine. On est bien. Maintenant, je vais incorporer ma crème. C'est bien parce que mon coulis était froid, donc. Vous voyez que ça prend déjà, hein. Ça va très très bien. Il faut que votre coulis soit bien froid. Hein. Voilà, après on va remettre au frigo. Voilà. Ah, il y a un gourmand qui est là. Il y a un gourmand qui est là. Ah, une fois que... Après, vous allez chercher votre biscuit au frigo. Il est bien froid. Pour pouvoir le démouler. Le couper en deux. Voilà. Ah, biscuit, joli biscuit. On va couper en deux. Alors, vous commencez par ici. Et vous faites toujours, vous tournez en fait le biscuit. Vous commencez à couper au milieu. Continuez
Vous allez bien au milieu. Voilà. Vous tournez le biscuit, vous continuez à couper. Voilà, ici. Ça. Continuez. Au milieu. Et on arrive. Voilà, tranquille, hein. Regardez. Voilà. Alors, vos biscuits en deux parties. On va prendre cette partie pour le bas et cette partie pour le haut. Alors, la partie du bas, on va mettre le coulis. On va mettre le sirop. Alors, on imbibe bien. Après, on va le mettre sur un plat. On va le remettre sur le plat. Voilà. Avec le sirop pour puncher qu'on a fait à la framboise. Voilà, on arrive. Là, ça suffit. Donc, mon cadre où il y avait mon gâteau, eh bien, je l'ai remis. Voilà, je resserre. Maintenant, je vais aplatir comme il faut pour qu'après, quand je mets le coulis, ben, il n'y aura pas d'espace. Le coulis ne va pas couler en dessous. Voilà. Maintenant, dessus, je vais rajouter la confiture. Et que j'ai fait, la confiture. Voilà, je vais rajouter la confiture. Je vais bien l'étaler partout. Et vous verrez, ce gâteau, eh ben, il va plaire à tout le monde. C'est vraiment un tout framboise. Et confiture qu'on a fait. Continue. On va tout mettre, hein. C'est parfait. Regardez. Ça va tout, hein. Magnifique. Voilà. Allons-y. Pas avoir peur, hein. Allons-y. Qui reste, on le mettra tout à l'heure une fois que ça sera bien pris. Voilà, comme ça. Comme ça, là. Et je le garde précieusement pour ce soir. Alors, pour la décoration en massepain, donc je prends une spatule. Ça va très bien. Et je retourne. Je m'aide avec le sucre glace. Comme ça, la pâte d'amande, elle ne va pas attaché. Donc je vais faire un parchemin. Alors je le fais bien rectangulaire. Voilà. Faire à peu près pareil. On va couper. Alors, on va faire comme ça à peu près. On verra si ça marche pas, on en fait un autre.
Voilà. Là, on fait ça comme ça. Voilà, à peu près droit. On va rectifier un peu. Ça va, hein? Là aussi. Voilà. Ici aussi. Faire bien droit. Alors, pour faire mon parchemin, j'ai pris des petits cônes. Joli comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre un peu d'extrait de café. Je vais faire tous les tours comme ça. Voilà. Je fais avec le rouleur les bords. Ça, j'enlève maintenant les trucs. Là, je vais mettre au frigo. Voilà, je continue mes décorations. Petite rose, ouais, c'est très facile à faire. Hein, c'est voilà, il faut voilà, prendre un petit bout là et je fais dans ma main comme ça. Je fais en rond, assez fin. Voilà, plusieurs façons de faire, hein. Moi, je fais comme ça, simple. Vous voyez? À la main, c'est bien parce que vous pouvez donner la forme que vous voulez. Voilà, on va en mettre une autre petite ici. Petite ici, voilà, comme ça. Et la dernière, on va la mettre en bas. Alors, je fais un petit boudin, comme ça, à peu près. Bon, là, je vais faire la base, et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près. 8, 9, on verra. C'est pour moi. Alors, je vais faire la base assez pointue. Ça, c'est ma base pointue, comme ça. Maintenant, je vais mettre ma première pétale. Vous voyez, vous faites à la main, comme ça, tranquille. Il ne faut pas laisser trop longtemps, sinon ça déchire. Hein. Vous devez aller vite. Hein. Voilà, vous appuyez, gros. Voilà. Voilà. Il faut aller vite. Hein. Si vous laissez trop longtemps appuyer, ça ne va pas marcher. Alors, ça c'est la première, donc je la fais comme ça, bien serrée. Après, la deuxième, c'est pareil. Hein. Pas besoin de mettre du sucre glace, hein, vous voyez? Ça va tout seul. Tac, deuxième. Construite doucement. Vous voyez? Il faut aller vite. Hein. Pas attendre. Ouais. Tourner comme ça. Former un cercle rond. Il faut pas. Faut faire très rapidement quand même. Voilà. Troisième. Un peu cassé, ça fait rien parce que les pétales des fois elles sont un peu déchirées. Comme ça a donné un petit peu de relief.
Allons-y. Hop. J'écarte un petit peu. Continue. Voilà, pourtant vous avez compris. Voilà, deux petites roses que je vais mettre en décoration. Une fois qu'elles sont bien froides, je prendrai un ciseau et couper légèrement pour faire comme les pétales des roses. Alors pour le parchemin, là j'ai préparé mon cornet en papier. Je le mets dans un pour verser, dans un verre. Et là j'ai mon chocolat que j'ai mis deux fois au micro-ondes à 30. Là, je vais le laisser comme ça fondre tout doucement. Comme ça, il sera juste à la bonne température, c'est-à-dire à 40 à peu près. Là, il a 35, non 32 en fait. Hein. Faut qu'il redescende à 32 pour que ce soit parfait. Pas 40. Hein. Vous le faites fondre à 40, après vous essayez de le faire descendre à 32. Ça c'est. Voilà. Voilà, c'est bien fondu. Vous voyez? Ça fond tout doucement. J'ai mis 2-3 30 secondes au micro-ondes. Et après, s'il y a des petits morceaux, ben. Vu que c'est un peu tempéré, ça va fondre tout doucement, tranquillement. Comme ça, vous ne ferez pas trop chaud. Vous n'allez pas abîmer votre chocolat. Le chocolat, c'est très, très difficile. Voilà, regardez. Là, il est vraiment très, très bien, votre chocolat. Regardez. Là, je peux écrire avec déjà. Regardez. 35. On va le laisser refroidir un tout petit peu, ça sera à point. Voilà, j'ai fait un petit papier, là, joyeux anniversaire, on va essayer de faire ça. On va sortir le parchemin. Ouais. On va faire comme ça, tac, tac. Tac, tac, joyeux anniversaire en travers. Alors, mon chocolat. Oh, c'est parfait, 35. Alors, je peux mettre. Ça sert à rien de trop en mettre dedans, hein, vous voyez? Vous en mettez 3 cuillères. Puis après, il faut refermer le cornet. Regardez. Là, ça fait 2. Et je vais en rajouter encore une. 3 cuillères à café. Voilà. Ça suffit pour écrire. C'est bon. Voilà, je sors mon cornet. Je presse bien. Et maintenant, je vais fermer comme ça. Et alors, je ferme bien. Comme ça. Une fois comme ça. Après, je tourne. Je tourne pour que ça soit bien fermé. Voilà, mon cornet est prêt. Tac. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper au bout. Tout petit peu, hein. Voilà. Pour faire juste, on va essayer. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors,
On va se lancer. Alors. Voilà, alors après 5 heures à peu près, là on va rajouter dessus le biscuit. Voilà, biscuit. Voilà. Encore un petit peu.